Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne de Camille et Cédric en VE. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes vacances et que votre rentrée s'est très bien passée. Ça a été notre cas, Camille et moi. On en a profité pour déménager. Je le reprécise pour ceux qui n'ont pas vu le post que j'avais fait sur la chaîne pour expliquer un peu pourquoi on avait pris un peu de temps avant de reprendre les vidéos. Donc on va tâcher d'essayer de faire une vidéo au moins une fois par semaine, tous les dimanches matin à 10h, comme vous avez l'habitude. Et aujourd'hui, on a une vidéo qui vous est dédiée à vous, puisque cette vidéo est sponsorisée par Autosonus. Alors Autosonus, c'est un fabricant d'accessoires qui fait également des accessoires Tesla. Et en fait, ils nous ont envoyé un petit colis à offrir à nos abonnés. Donc j'avais ouvert le colis, mais pas complètement, parce que je voulais pas voir ce qu'il y avait dedans. Donc je vais le découvrir avec vous. Et en fait, tout ce qu'il y a dans le colis, on va le regarder et à la fin, je vais le faire gagner à l'un de vous. Il suffira de nous envoyer un mail à l'adresse qui apparaît dessous pour participer au concours. Je ferai un tirage au sort et j'enverrai le colis à la personne qui aura été tirée au sort. Donc il suffira de mettre dans le mail que vous voulez participer au concours, de mettre vos coordonnées, donc votre nom, votre adresse et votre mail, et je tirerai quelqu'un au sort. Donc je vous préviendrai par mail que vous avez gagné et je vous enverrai directement le colis à votre adresse. Alors oui, comme je vous disais, on a déménagé, donc vous voyez derrière moi un petit peu mon nouveau bureau, mais ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo, et surtout sur la chaîne secondaire French Geek que je vais reprendre en main parce que ça fait un moment que j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Mais c'est vrai que j'avais pas mal de choses à faire en ce moment. D'ailleurs, c'est vrai que ça fait la deuxième vidéo, vous voyez pas trop Camille, donc on va aller la trouver histoire qu'elle vous fasse coucou quand même. Tu fais coucou aux abonnés parce qu'on ne voit jamais. On voit jamais. Coucou. Non, j'existe encore, mais oui, déménagement, vous voyez, il y a plein de cartons, plein de trucs, je mens pas. Donc je fais une vidéo où j'offre le colis Autosonus aux abonnés. Donc un colis qu'on a reçu il y a quelques semaines, mais dont j'ai pas eu le temps de m'occuper. Je sais même pas ce que c'est moi. Eh bien si, ouais. Autosonus, c'est la marque qui nous avait offert le support voiture, qu'on a offert déjà à un abonné. Et il nous a envoyé un autre colis avec des accessoires. Je vais tirer quelqu'un au sort, on va lui offrir, mais on va découvrir ensemble ce qu'il y a comme accessoires. Ah c'est une super bonne idée. Et du coup, t'es rentré avec la voiture. Donc je peux aller voir dans la voiture pour tester les accessoires avant que tu repartes. J'ai 5 minutes. Tu as 10. Oula, va falloir tester rapidement. Allez, on va aller se poser sur la terrasse pour voir le colis, on va voir ce qu'il y a dans le ventre. Donc je vais découvrir le colis avec vous. Alors ils m'ont envoyé des petits accessoires, hein, je pense, mais faut pas... On verra, je vais regarder les accessoires, on ira les mettre dans la Tesla, et à la fin de... Enfin, en suivant, là, dans la vidéo, là, on ira sur le site d'Autosonus pour regarder le prix global des accessoires qu'ils m'ont envoyé. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah, alors, là, voilà, pardon, j'ai ouvert le colis, donc, premier accessoire, a priori, c'est l'espèce de... Vous savez, de porte-gobelet, là, qui se met au fond pour bloquer les gobelets dans la Tesla. Donc je sais, ça, il y a beaucoup de monde qui le veut, et que c'est super utilisé, donc ça peut être sympa. En plus, si jamais vous avez l'habitude de mettre des boissons dans le porte-gobelet, enfin dans le support central porte-gobelet de la Tesla, c'est vrai que ça peut éviter les accidents, et ça maintiendra surtout mieux vos contenants que le porte-gobelet intégré. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a un jeu de... Ah. C'est vite fait le tour du colis, mais bon, c'est toujours bien quand c'est offert. Hein. Donc, on a... Alors, excusez-moi si ça tangue un peu. On a des accessoires pour la console centrale, hein, pareil. Des rangements. Qui, ma foi, ont l'air basiques, mais ils sont pas mal. Le toucher est doux, c'est bien. On dirait de l'Alcantara. D'ailleurs, ça doit être ça, je pense. Ça doit être des accessoires en Alcantara. Bon... Écoutez, ça reste des accessoires de base, hein, mais à vue de nez, vu que là-dedans il y a de l'alcantara, et là le plastique il est quand même bien rigide, moi je pense que le tout doit y en avoir pour une cinquantaine d'euros ou de dollars, parce que oui, ils mettent en dollars. Donc on ira voir sur le site à la fin. Donc on va juste jeter un petit coup d'œil dans la Tesla pour voir si ça s'adapte bien. Donc on se retrouve dans la Tesla. Oula, c'est un petit peu le bordel dans cette voiture, hein. C'est toujours ça dans une voiture que tu utilises au quotidien, c'est normal. Donc déjà, j'ai enlevé tous les trucs qu'il y avait dans le porte-gobelet du milieu. Et on va mettre l'accessoire, voilà, il s'adapte parfaitement bien.
Attendez, on va couper la clim. Voilà, parce que le bruit, ça va 5 minutes. Donc le porte-gobelet s'adapte parfaitement bien. Alors il y a une gourde, mais je pense qu'elle, voilà. Quand tu mets ça, tu peux plus mettre la gourde parce qu'elle est un peu trop grosse quand même. Par contre, si tu mets des accessoires, bah tu vois que ça bouge plus. Hein. Mais c'est fait un peu pour. Donc ouais, bah, pas de problème particulier. C'est celui-là. Ah, c'est celui-là. C'est celui-là, donc il s'adapte très bien. Il est coulissant aussi, comme celui que j'ai acheté moi. Celui que j'ai acheté moi, il y avait aussi un toucher Alcantara, mais ça fait très plastique autour. Vous voyez, en termes de finition, il est quand même plus cheap. Celui-là, là, le fait qu'il y ait l'Alcantara, même sur les bords, là, bah, ça fait vraiment une finition qui se marie super bien avec l'Alcantara qu'il y a dans le tableau de bord central. J'aurais presque pu le garder, mais bon, j'ai dit que je vous l'offrais, donc je vous l'offre. Donc pour le deuxième support, il s'adapte directement là. Ah, nickel en plus. Alors pareil, hein, vu que les finitions Alcantara entourent complètement le plastique, bah, les finitions elles font un peu moins cheap que celui que j'avais acheté. Hein. Du coup, bah, on valide. Hein. Donc on va aller sur le site de Autosonus pour voir le prix de tout ça. Alors, on se retrouve sur le PC, on est sur le site de Autosonus, donc notre bienfaiteur qui nous a envoyé ces quelques accessoires que je vais vous offrir. Et donc, je rappelle que ben, Autosonus nous avait déjà envoyé le support téléphone à induction rechargeable, hein, qu'on avait testé dans une précédente vidéo, je vous mets le lien par là-haut, là, voilà, vers le navigateur, pour ceux qui veulent aller voir le test. Vous voyez qu'ils ont tout un tas d'accessoires qui sont plutôt assez sympas. Hein. Il y en a quelques pages, je pense. Bref, pour ceux que ça intéresse, vous voyez qu'il y a également l'écran et vous avez même maintenant un UHD qui permet de voir les rapports et les vitesses. Bref, vous voyez qu'il y a pas mal de choses. Hein. Et alors, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc c'est le cup holder qui est compatible Tesla Model 3 et Tesla Model Y, donc qui vaut 14,90$. Et nous, il nous a envoyé la version Grey. Et le set pour console centrale qui est également compatible Tesla Model Y. Donc, et ben, si vous avez une Model Y, vous pouvez également participer au concours, puisqu'apparemment, c'est compatible avec votre intérieur également. Et du coup, c'est vendu 24,90$. À mon avis, c'est si tu en prends un, ça doit être 14,90$. Et si tu prends les deux, ça doit être 24,90$. Donc voilà, ça nous fait un petit cadeau sympa de rentrée à 40$. Plus les frais de port, on va dire que ça doit tourner autour de 40€, quoique l'euro est faible en ce moment. Donc ça doit être 40-45€ frais de port compris, donc ça fait un petit cadeau sympa pour la rentrée. On se retrouve pour la conclusion de cette vidéo, alors rien d'exceptionnel, c'est juste encore une fois histoire de vous faire un petit cadeau, parce qu'on avait envie de vous faire un petit plaisir pour la rentrée. Ah, on voit bien mon super PC maison qui a déjà 2 ans, mais qui reste dans le game, hein, niveau et performance et design, pour ceux qui aiment le RGB, mais ça, encore une fois, j'en parlerai dans ma chaîne secondaire French Geek, qu'il faut encore une fois que je reprenne en main, mais je verrai. Et ça, on a le temps. Et donc, n'hésitez pas à participer à notre petit concours. Envoyez un mail à l'adresse qui s'affiche ci-dessous. Encore une fois, je le répète, avec vos coordonnées, donc nom, prénom, adresse et votre adresse mail. Je ferai un tirage au sort et j'enverrai le colis à la personne bah, qui aura été tirée au sort et qui aura gagné. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas aussi à commenter si vous avez des commentaires à faire sur les accessoires ou si vous avez déjà, par exemple, commandé chez Autosonus et que vous voulez partager votre expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, hein, n'hésitez pas. Je travaille pas pour Autosonus, moi, hein, je vous offre juste un colis. Si vous estimez que c'est une bonne marque, dites-le. Si vous estimez que c'est une mauvaise marque, un mauvais fournisseur, n'hésitez pas à le dire non plus. La chaîne est ouverte à ça, hein, pas de souci. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt avec Camille, j'espère, pour une prochaine vidéo. On vous fait des gros bisous, même si elle est pas là, je sais qu'elle se joint à moi. Et on vous souhaite une bonne fin de journée, de soirée, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et on vous dit à très bientôt, ciao ciao.